peut pas faire une chope avant et un saut direct avec son avec ses deux dash avant et saut HK, c'est pas possible. Faut pas faire des trucs comme ça. Donc ça limite un peu son vortex, donc ça donne de l'air quoi. Allez, t'en donnes le canon dans la tronche direct. Allez, sinon on prend plus seul, Starnab, sa petite spéciale là, saut H, saut vertical HK pour Areka. Allez, le dragon, le Starnab là qui veut la jouer fantasque direct et qui se fait punir. Il aurait dû prendre plus cher. Il aurait dû prendre plus cher, mais il est quand même en train de prendre très cher. Pour Areka, il prend le Nex avec carrément. Il aime le feu, il kiffe ça. C'est parti avec la focus en offensive tout le temps. Alors, encore une fois, comme on en a parlé il y a 5 minutes là. Il aime la focus en offensive. Allez, pour Areka qui passe, c'est comme dans du beurre. Comme papa dans maman, ça part de la méthode. Allez, il faut pas qu'il échappe à la. Le XCISMO qui a pas le temps. Et. Voilà, il s'en va qui a très mal là. Kama il lance le Oxygen, il perd des barres, on sait pas trop pourquoi. Ah, il veut le tenter, il lâchera pas le rune, mais il tente la gratte. Il pensait que Tupac allait punir. C'était un main game. En fait, vous avez un main game à ce moment-là. Soit vous arrêtez de faire des récas, et vous êtes à moins si c'est dans ce cas-là, votre adversaire s'en fout de punir. Soit vous lancez jusqu'au troisième récas. Dans ce cas-là, votre adversaire, il a essayé de punir. Et s'il essaie de punir le deuxième récas, il prend le troisième dans la tête. Donc ça fait qu'on peut arrêter. Vous gagnez le rune. Soit bah, le troisième échoue en l'air comme c'est passé là, et derrière, c'est une mission. Allez, c'est parti, le poisson dans les chips. Allez, il la garde et puis il trouve le chicken wing. Il le lifte pas parce qu'il a pas dû faire le gros. Allez, dragon, cancel. Des lights. Il a pas réussi à canceller avec les Reka. Il avance, allez, Tupac qui a pas le temps, qui fait un item pour le support en burning. Il prend la distance, la barre des bons points. Il se reprend sur Araika, Saint-Nico. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est fort, il utilise les 4 barres. Utiliser 3 barres, il fait un XCISMO, il conseille avec le dash avant et refait un XCISMO. Le deuxième passe, il met l'ultra, et il est dans le coin, fait long Kamal. Viper qui va gagner là, Viper qui gagne. Tupac est complètement là. Allez, DVD doit gagner contre Tupac, et s'il gagne contre Tupac, il doit jouer contre Storm. Vous aurez un magnifique mirror Honda contre Honda, c'est le seul endroit dans le monde. Vous avez du Honda contre Honda et comme vous en doutez, ça campe vénère. Honda contre Honda, toujours fantasque. Allez, de toute manière, on va pas vendre un peu de l'ours avant de l'avoir tué, puisqu'il faut que Tupac. Il faut que DVD gagne Tupac avant tout. Allez là, Tupac, hein, il a beat by 3 là. Et comme à Arcade Street, il fait beat by 3, il se tape Luffy et Van Starnab. Allez, un petit DVD là, il prouve sa position totalement dominant en tant que. Autant sur la scène nationale, puisque là c'est vraiment un top FR qui peut vraiment faire tomber tout le monde et il l'a prouvé. Et autant que Bad Viper European, parce que c'est quand même pas. Il a pas tapé Jojo rigolo, hein, il a tapé que du gros donc. Là c'est de la Viper de référence. Rien que déjà le round d'avant. Thunder Knuckle MK avec Ultra, c'était juste énorme. DVD. Un gros point sur DVD. Allez, ça attaque. DVD commence bien, high punch, la punch, Boskoy. High punch. High punch, grattage. DVD qui donne. Boskoy est au bout de l'écran et il a pas le temps. DVD zone, il donne, il passe. Il donne gueuler sur Tupac. Tupac qui s'énerve. Ouais, ça fait passer mal, on va lui mettre une ultra. C'est pas avec ça qu'il va remonter la vie du gros lard. Avec ses slogans, DVD qui prend pas, il va les couilles. Ah, il prend le. Ah, c'est joliment gardé, ça c'est dommage. Des kicks presque encore. C'est Ismo. Allez, les deux ont bloqué là, d'ailleurs, on tire en ouverture. DVD trouve pas d'ouverture. FCSMO, merde, il a foiré. Allez, joli, sois tué là. Allez, Typhon. Joli! Fini.
DVD qui l'a terminé avec un combo. Viper cherche l'ouverture. Il a ouvert le jeu avec une barre mythique. Je suis pas assez loin. HK en bas. DVD rush, DVD rush. Il avance, il en fait envie. HK. C'est une rush. Ça. Ah, il peut pas le punir ça. Voilà les 1000 mains en X qui sortent, c'est pas du tout ça. À mon avis, on est dans la garde des 1000 mains cancel. DVD qui presse, il le regarde dans le coin, tu rases dans le coin, c'est parti. Ah, il est bon, il est l'avantage là. Il a complètement l'avantage, il tient le point, allez, voilà. La même chose que tout à l'heure, Tupac se barre avec un exemple cancel burning kick pour reprendre de l'air. On n'arrive pas à trouver l'ouverture, Tupac il avance et recule. Excess mode dans la garde, DVD il avance. Il s'avance doucement mais sûrement, grattage encore de 1000 mains. Encore une trophée et là il s'est pris la punition. Viper elle a peur, elle recule. Tupac qui cherche l'ouverture encore. Et c'est oh le exoscale au bout de l'écran. Dégueulasse. Il passe. Ah il a raté le Wagon Cancel, il a pas fait vers l'avant. Bon ça va peut-être lui coûter cher à Tupac, Oh mon dieu. Ah DVD qui gratte, il gratte. DVD. 9 secondes. Oui, c'est parti, ouais. Allez DVD 4 de barre. Balle de 7. Pour les deux, de toute façon. Un round partout. Deuxième round. Troisième round. DVD qui donne. Ouverture. Voilà. Viper qui poumi. Doskoy. Grattage de Viper. Il nous passe. Il avance, il recule maintenant. Il recule. DVD zone encore. Il n'ose pas avancer. Il a envie, il veut bien là, Tupac. Il le fait contre le mur, c'est assez, c'est dommage, il aurait dû lui mettre le Tiger Knuckle. Tupac se retrouve dans le mur, il est pris dans le mur. Il se barre avec un double cancel, il est trop gentil là, DVD. Il va pas le laisser partir comme ça là, il faut lui faire payer sa fuite. Grattage. Il est déjà passé. Un peu saut avec dans le vent. Viper a tué, elle a raison. BMK, t'en as un déchet, c'est joli. Parti. Il trouve l'ouverture, tout ça, il trouve l'ouverture. C'est la merde là, c'est la merde pour Honda. C'est la merde. Oh, joli le coup de bide, allez, le cross-up avec gros coup de bide. Il a bourré. Joli la parade, joli et énorme. Le mix de Tupac et Vanity. Le mix de Tupac et Vanity. Le sync de Tupac. Donc là, ils sont à la dernière manche. Puisqu'ils étaient en super finale, donc ils doivent refaire encore une manche puisqu'il faut deux manches pour Tupac et Conquistor pour gagner. Voilà. On est sur la grande finale depuis le début et comme c'était. Ils étaient en winner, Tupac et Enfin c'est un DVD, ils doivent refaire encore une manche. Donc là ils vont tirer au Shifumi. Ça lui laisse encore une chance. Jouer en premier. Encore une chance pour remonter. Globalement il y a du suspense là, c'est assez énorme, on a la première finale. C'est fini super serré entre Aline et Conqueror et là on a la finale aussi là qui est très serré. Tarnap qui se met en place, ça fait leur config. C'est pas du bon pour rentrer à l'heure à la maison mais c'est du bon spectacle, vous êtes chez vous là, vous regardez le streaming. Vous êtes combien? Vous êtes 1500-1600 à regarder le streaming là. Ça commence à faire vraiment mal. Et bah vous. La communauté les matchs de plus en plus d'ailleurs de Super Street Arcade Edition. Ouais on pensait que ça allait un peu s'essouffler parce qu'il y avait des tourtières. Mais là, pas un Yoon, pas un Yang, bon il y en avait à Yoon mais c'est à Yoon. Et là on a pas un Yoon, pas un Yang, on a les faits longs mais on les connaît en France. Ouais. C'est pas comme si c'était des vendus. Les mecs jouent faits longs depuis le début donc. Ouais, c'est présent parce qu'il y a Yamazaki qui soutient Starlab. Yamazaki qui soutient Starlab. Ouais c'est reparti, c'est un peu plus on recommence. Tupac veut pas lâcher le morceau tout pas. Ah c'était serré hein, c'est là. C'est parti, burning kick bloqué. C'est parti, pressing, réca de. La durée de carré, bonne histoire. Voilà, série de réca encore, dans le coin, pressing maintenant, c'est parti, pressing. Non, il s'en sort avec une chope. Allez, le pressing là. Avec Tupac, joli l'OS. Voilà, joli l'OS. C'est parti, Excess mode dans le vent, Starlab il s'en sort bien, il garde bien. Il cherche l'ouverture, il gratte avec ses réca, ça passe. Pour réca dans le coin, dans le shop. Dernier qui dans le vent. Il est terminé.
Ah c'est bien ça, Ramblin qui casse ce dernier kick. Tupac n'a pas trouvé l'ouverture, il a essayé avec le dernier kick. Mais la défense de Starlab elle est solide. Très bonne défense. Allez, Bruce Lee commence à presser. Ouais, c'est parti. Tupac qui revient. Il a piffé pour revenir. Ah, il revient. By punch. Pressing Reka. On peut encore se comme elle veut, Viper. L'avance. Chicken Wing. C'est parti par le Siphon. Plus dès que c'est Ismo, il aurait pu placer le travail en plus. Heureusement, il a bien gardé. Il a la super. C'est parti. Dragon Cocktail. Oh là, le Tenshin qui vient de nulle part. Il a foiré. Il s'est foiré. Dommage. Ah, le gros point. C'est dommage parce qu'il a mis le Siphon. Ouais, il aurait pu mettre une frappe derrière. Il aurait pu en finir. Le Tenshin. Oh mon dieu, il a mis une frappe derrière en plus. Et voilà, grattage. Il l'a terminé au grattage, hésitant. Il a terminé au grattage. Un vrai hésitant. C'est un rêve, il n'y a pas le temps là. Il nous a fait un magnifique match. Starnab l'attend, il se met en place. Kungo Chao qui revient, dommage tout à l'heure il s'est paré contre Alioune. Là il fait son combat en double. Il fait son combat là, je sens rien du mental là, il nous a fait en 1v1, il nous a fait un match de fou. Parce qu'il a pas envie de blaguer là. La Kungster ça lui laisse une chance de gagner un tournoi en double vu qu'il a perdu en simple. Dommage que c'était très serré en finale contre Alioune. Super serré dans cette soirée. Sudo en finale son deuxième, il y a pire quand même. Il y a pire, surtout perdre contre Alioune comme As. C'est juste Dommage, c'était foiré. Allez, concentre là. Concentration, santé Kai, c'est parti. Starnab, Kungster, à peu près le 23773e épisode. Ils se connaissent tous bien. C'est parti, choix du terrain. Du coup, ultra, de toute façon, il n'y a même pas de blague. Ultra de Bonda, ultra pour le punir un récap, peut-être un truc comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. C'est risqué de prendre l'ultra 2 avec Honda. Super, ouais, super cramé. Ouais mais c'est pour punir un récap, je pense à mauvaise défense. Ouais, c'est mal. Il peut ça lui permet d'avoir encore une défense encore plus solide. Ouais. Starnab il presse, il avance. Honda il gratte. C'est parti, regratte. Mima. C'est joli, ça avance, recule, il essaie de chercher l'ouverture. Grattage Honda. Il n'arrive pas à décoller. Attends, le vent puni, voilà. Puni Starnab. Il punit. Sa zone des deux côtés. Grattage encore, ça passe. Vereka qui passe. Sohaska. Merci grave. Combo, regarde, c'est parti. Starnab il est bon là. Voilà, focus, il a éclaté le focus. Il fallait pas faire toute la vie. Et là, c'est parti. Starnab cherche à le terminer. Ça change à gratter encore pour remonter sur la tête. Ah, il aurait pu gratter, ah, il va aller gratter au récap, il va bouger. Voilà, ah, la seule. C'est parti. Zonix, vu que c'est pas des shotos, c'est normal, ça zone super longtemps. Ah, j'ai pas le match pour Starnab. Il a super pour Starnab, il a la super. Star aussi, c'est encore plus dangereux. Deux jambes de jouer. La super de deux côtés, il va la placer. Non, il a foiré la sienne. C'est parti. Il a complètement capoté sa super. Starnab, il pisse, mon dieu, il pisse. HK confirme. Il est dans sa tête, Starnab. Il piffe, ça passe. Là, il est là, Starnab, putain, c'est ouais. Starnab est dans sa tête, il le presse, oh mon dieu, regarde, on peut, Peter. Oui, saut magnifique. Non, ça passe pas, on l'a cramé, mon pote, on l'a collé. Allez, c'est bientôt fini. Voilà. Et voilà. Oh la Starnab qui lui crie dessus même. Il a terminé, il a explosé l'Honda. Voilà, DVD, Starnab, pour la bise, ils ont gagné. Voilà, je pense que là, c'est fini. Il n'y a pas eu trop de mouvement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de suspense jusqu'à la fin, mais voilà, ouais, c'est la fin. Se connaissent, il a bien zoné, il a bien évité les coups de l'ultra 2, il l'a cramé.